La richesse, en fait, n'est pas extérieure. Ça veut dire que même si tu augmentes tes revenus, si jamais tu n'as pas l'intelligence financière pour savoir comment gérer ton argent, eh ben, tu vas jamais pouvoir t'enrichir. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Parce que dans cette vidéo, on va voir ensemble la vérité sur l'argent. Ah, on aime parler d'argent sur la chaîne, mon gars. On aime ça, l'argent, l'argent, l'argent. Parce que je peux te dire qu'on t'apprendra jamais ça à l'école, alors que c'est un truc que j'ai envie de te dire. C'est la base, quoi. À un moment donné, on vit dans une planète économique. Tous les échanges se font avec de l'argent. On ne nous apprend rien sur l'argent. Donc, bref. Donc, on va voir dans cette vidéo la vérité. Pourquoi les pauvres, en fait, galèrent. Bon, parce qu'ils sont pauvres, tu me diras, mais... mais pourquoi, en fait, ils galèrent par rapport à l'argent. Ah, parce que l'argent, bon, on sait, ça fait plaisir. Hein. Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Est-ce que tu achètes des iPhones, hein, iPhone 5, 10, 12, 14, double X bientôt? Non, je fais pas une annonce, je l'ai dit au hasard. Comme ça, je ne sais pas si jamais il va avoir un double X, les gars. Calmez-vous, calmez-vous. Est-ce que tu achètes des bouteilles en soirée, hein? Est-ce que tu as acheté un vélo? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu fais avec ton argent. Mais on va voir ensemble trois grosses erreurs que font les personnes qui sont pauvres en fait. Et c'est pour ça du coup qu'ils restent pauvres. Donc je m'appelle Jonathan Hachi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être indépendant financièrement et libre géographiquement. Si je l'ai fait, tu peux le faire aussi, d'accord? Je suis parti de zéro. J'ai grandi dans un quartier qui s'appelle Pyramide, à Évry, dans 91. J'ai redoublé mon BEP. Je veux dire, tu as mon histoire de toute façon sur ma chaîne YouTube. Quand tu vas t'abonner, tu verras. Donc si j'ai réussi, tout le monde peut y arriver, les gars. Donc arrêtez avec vos excuses. Ok, vous avez tout en description pour pouvoir aller plus loin. Première chose à comprendre au niveau de l'argent, c'est que l'argent est juste un outil. D'accord? L'argent est juste un outil, il est ni bien ni mal. D'accord? Après, tu vas me dire, ouais, mais ça c'est logique et tout. Non, c'est pas forcément logique et c'est pour ça qu'il y a énormément d'émotions autour de l'argent. Parce que si jamais les gens le prenaient comme un outil, eh ben, personne ne s'exciterait dans les commentaires dès qu'on parle d'argent. Parce qu'on parle de jardinage, personne s'énerve, hein? Personne s'excite. Hein? Donc s'il y a autant d'émotions autour de l'argent, c'est tout simplement parce que les gens en fait ont une perception de l'argent alors qu'ils n'ont pas à avoir de perception. C'est juste un outil, tu vois. C'est comme un couteau. Je veux dire, le couteau, tu peux l'utiliser pour couper ton steak et tu peux aussi l'utiliser pour tuer des gens. Tu vois, donc c'est juste un outil, mais tu ne commences pas à dire dès qu'on te parle de couteau, ah, comment ça, n'importe quoi. Tu vois, tu t'énerves pas en fait. Tu vois, il n'y a pas lieu de s'énerver parce que c'est juste un outil. Donc ça, c'est la première chose qui fait que bah, les pauvres, en fait, vont galérer par rapport à l'argent parce qu'ils ont une mauvaise perception de l'argent, ils mettent trop d'émotions par rapport à ça, alors que c'est juste un outil. Par exemple, il y a trop de fausses croyances, pour illustrer ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il y a trop de fausses croyances où les gens ils pensent que quand tu as de l'argent, tu vas perdre tes amis, par exemple. Ou quand tu as de l'argent, tu vas devenir méchant, je sais pas. Ou quand tu as de l'argent, tu vas être, je sais pas, toutes les fausses croyances qu'il y a autour de ça, mais il y en a énormément. Je les ai balayées de ma tête, ça fait longtemps, donc du coup, je m'en souviens même plus. Mais il y a énormément de fausses croyances qui font que si jamais tu as trop d'argent, bah, du coup, c'est pas bien, en gros. Tu vas perdre tout, en gros, tu vas perdre tes amis, tu vas avoir des mauvaises relations, ça va mal se passer avec la femme si tu en as une, tes enfants ils vont être dans la drogue, enfin, en fait, t'es pas heureux, voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça que les gars veulent dire. Ouais, quand les riches, tu crois que tu les vois comme ça, les riches? Mais... Parce que ça, je parlais avec un pote. Il dit, non, mais est-ce qu'ils sont vraiment heureux? Je dis, mais pourquoi ils seraient pas heureux alors que toi, t'es heureux dans ta vie? Ou pourquoi eux, ils seraient pas heureux alors qu'ils ont plus de confort, plus d'argent? Bah, déjà, le fait d'associer heureux et argent, déjà, il y a un problème, déjà. Tu vois, les deux sont différents, c'est deux choses différentes. Il y a des gens qui sont heureux, ils n'ont pas besoin d'avoir d'argent. Ce n'est pas lié à l'argent d'être heureux, en fait. L'argent, c'est juste du confort. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'argent, en tout cas, te permet d'acheter énormément de choses. Mais quand tu es pauvre, eh ben, sans argent, tu n'achètes rien du tout. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, l'argent ne permet pas d'acheter le bonheur. Mais sans argent, tu n'achètes rien du tout. Autre chose qui est surtout liée aux gens qui sont croyants, c'est qu'on pense que l'argent, en fait, il y a une éthique pour pouvoir en gagner. Genre, un peu, ce qui peut circuler comme croyance, c'est si tu fais les choses bien, si jamais tu sais pas, t'es une bonne personne, tu aides les gens, etc., etc., ben, tu vas en retour gagner de l'argent. Tu vois, tu vas avoir de l'argent, ça va tomber du ciel, quoi, en fait. Du gros, parce que ça va être des bénédictions, etc. L'argent, en fait, n'a pas d'éthique. Il faut que tu saches que même si tu fais les choses bien, tu peux être pauvre, en fait. Tu vois, ça n'a aucun rapport, en fait. L'argent se base, en fait, sur un marché. Il y a un marché, il y a une demande. Tu proposes une solution qui règle la demande du marché, eh ben, ils vont te payer, ils vont te rémunérer en échange. Mais l'argent ne tombe pas du ciel comme ça. Ça, c'est pas magique, en fait. C'est de l'offre et la demande. C'est tout. Tu as un service, tu as un produit, c'est comme ça. Et les gens, ils vont te donner de l'argent. Parce que l'argent, tout le monde en a et ils veulent le donner à des gens. Forcément, enfin, où ils veulent acheter quelque chose. Donc, si jamais tu n'as pas un produit ou tu n'as pas un service,
eh ben, tu vas jamais pouvoir gagner d'argent, tu vois. Et même si, par exemple, tu es un producteur de films porno, moi, j'ai rien contre les producteurs de films porno, les gars. Voilà, mais tu comprends l'exemple, tu vois. Ben, les gars, ils répondent à un besoin. Il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas d'histoire de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Ils gagnent de l'argent, tout simplement, tu vois. C'est pareil pour même pour le plus mal, tu vois. Je veux dire, il n'y a pas d'éthique. Donc ça, il faut que tu te retires ça dans la tête, parce qu'il y en a qui pensent que c'est juste par rapport à l'éthique, il faut faire les choses bien et tout, et après l'argent va tomber du ciel. Non les gars, ça ne marchera pas comme ça, ça c'est sûr. Deuxième fausse perception qui fait que les pauvres restent pauvres, c'est qu'ils se concentrent sur gagner plus d'argent. Alors jusque là tu me dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'il me dit, c'est pas ce qu'il raconte toute la journée sur ses vidéos? Non, écoute, tu ne régleras pas ton problème de pauvreté en essayant de gagner plus d'argent. En fait, c'est une étape. Mais souvent, les gens, ils vont se concentrer sur gagner plus d'argent. La preuve, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est ou ils vont essayer de faire des longues études, ou ils vont essayer d'augmenter leurs revenus en faisant des formations à l'intérieur de leur entreprise, essayer de monter les échelons, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, rien du tout. Pourtant, ils peuvent augmenter leurs revenus, mais pourtant, ils sont toujours aussi pauvres. Donc, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que ce n'est pas le fait de gagner plus d'argent. Tu vois bien. Autre exemple, regarde Mike Tyson. Mike Tyson, il a fait des millions et des millions et des millions et des millions. Et pourtant, il est banqueroute aujourd'hui, tu vois. Pourtant, il galère financièrement alors que le gars, il a fait des millions et des millions. Regarde certains footballeurs, dès qu'ils prennent leur retraite, ils sont fauchés. Regarde certains rappeurs, après, quand ils prennent leur retraite, après 5 ans, ils sont fauchés. Regarde les gagnants du loto. Ils ont vraiment augmenté leur revenu d'un coup, tu vois. L'argent, il est tombé du ciel, boum. Là, pour le coup, c'est vraiment tombé du ciel. L'argent est tombé du ciel. Mais qu'est-ce qui s'est passé 3-4 ans après, 5 ans, des fois, ils se retrouvent même plus pauvres qu'ils l'étaient avant d'avoir gagné au loto. Donc, ce qui montre en fait que la richesse, en fait, n'est pas extérieure. Ça veut dire que même si tu augmentes tes revenus, si jamais tu n'as pas l'intelligence financière pour savoir comment gérer ton argent, eh ben, tu ne vas jamais pouvoir t'enrichir. Tu vas repartir à zéro, même si tu touches 10 000 euros par mois, même si tu touches 100 000 euros par mois, d'accord. Je viens de te donner des exemples qui eux, ils faisaient plus que ça encore à l'année. Et après, ils se retrouvent à zéro parce qu'ils ne sont pas intelligents financièrement. Donc, la première chose sur laquelle on doit se fixer si jamais tu veux t'enrichir, c'est développer ton intelligence financière. Ok, j'ai de l'argent. Ok, tu peux développer ta richesse en ayant un petit salaire parce que tu sais comment gérer ton argent. Tu sais qu'il faut mettre de l'argent de côté. Toi, tu vas dire c'est la base. Mais ouais, mais si tu ne le fais pas, ça ne fonctionne pas. Une fois que tu as mis de l'argent de côté, ça ne suffit pas. C'est la première étape. Tu as mis de l'argent de côté, boum, tu le réinvestis. Ok, comment je réinvestis? Ça, faut apprendre à investir. Tu ne vas pas l'inventer, tu vois, tu ne l'as jamais fait. Sinon, tu vas faire confiance à des gens et ils vont dilapider ton argent. C'est ce qui arrive aussi à des footballeurs. Ils ne connaissent pas exactement comment investir. Ils font confiance à des gens et les gens, ils font n'importe quoi avec l'argent, tu vois. Donc, savoir comment investir. Comment investir en immobilier, se former, etc. Développer une intelligence financière. C'est pour ça que les millionnaires lisent 60 jours sur le business à l'année. Donc voilà, donc la question, c'est combien toi tu lis de livres? Allez, pendant l'année, combien tu en lis? Donc je te laisse répondre à la question. Mais pour te dire que c'est là-dessus que tu dois te fixer. Voilà, et les pauvres, en fait, ne se fixent pas là-dessus. Ils se disent, bon, du coup, si jamais j'ai plus d'argent, je pourrai acheter plus de choses, etc. Et ils ne se concentrent pas sur développer l'intelligence financière pour pouvoir déjà gérer l'argent qu'ils ont déjà et s'enrichir. S'enrichir, c'est quoi? C'est le mois suivant, il faut que tu aies un peu plus que le mois précédent. C'est ça, s'enrichir. Et si jamais tu fais ça continuellement, forcément, tu vas t'enrichir. Après, si jamais tu n'as pas les stratégies de créer un business, etc., ce que moi, je conseille, ça va prendre du temps. Donc, tu vas t'enrichir. Tu seras mieux que tous les gens de la moyenne, hein, ça, c'est sûr. Mais ça va prendre du temps, quoi. Mais tu auras une vie correcte. Ça dépend après de tes objectifs, mais bon. Et ce qui m'emmène au troisième et dernier point, c'est change ton rapport à l'argent, d'accord? Change les questions que tu te poses lorsque tu vois ton virement sur ton compte bancaire, de ton salaire. Qu'est-ce qui se passe quand tu reçois ton salaire sur ton compte? C'est quoi la première question que tu te poses? Je vais te dire. Non, mais je sais. Ouais. La première question que tu te poses, c'est comment je vais pouvoir dépenser cet argent? Si jamais tu ne te poses pas encore cette question, tu vas dire, parfait, l'argent est arrivé, je vais pouvoir acheter l'iPhone 20. Voilà ce que tu te dis. Alors, au lieu de te demander le rapport qui doit changer et les questions que tu dois te poser, c'est lorsque l'argent arrive, ok, comment cet argent qui vient d'arriver sur mon compte peut travailler pour moi et me rapporter de l'argent? Tu vois, c'est deux questions différentes. Mais la plupart des gens, lorsqu'ils ont de l'argent dans les mains, on leur donne de l'argent, ils réfléchissent, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir acheter? Tu vois, ils sont même obligés de faire un effort. Qu'est-ce que je vais pouvoir acheter avec cet argent? J'achète des bonbons, j'achète des... Je vais en soirée, j'achète des... Je prends une table. Qu'est-ce que je fais avec cet argent? Ok, donc ça, c'est une grosse erreur et c'est ce qui fait que les gens restent pauvres. Dès que tu gagnes de l'argent, dès que tu as de l'argent, pose-toi la question, ok, comment cet argent, il peut travailler pour moi? Et une fois que tu sauras exactement comment
investir, parce que du coup, bah, quand tu vas te poser cette question-là, tu vas te dire, bon, bah, il faut que j'investisse. Tu vois, quand tu te poses des bonnes questions, bah, tu as des bonnes réponses. Hein. Ton cerveau, il est super puissant, il va trouver des solutions. Hein. Donc, quand tu vas te poser cette question-là, ok, comment je fais pour faire travailler mon argent pour que ça me rapporte, eh bah, tu vas trouver. Ouais, c'est pas compliqué. De toute façon, c'est classique. Hein. C'est toujours dans la bourse, c'est toujours dans, ou dans les sociétés, ou dans l'immobilier. Enfin, je veux dire, il n'y a pas 50 000 trucs. Hein. Après, il y a des trucs un peu plus exotiques, mais voilà, c'est des capitales peut-être à risque. Pour l'instant, tu vas commencer sur quelque chose qui est plus sûr pour pouvoir assurer l'argent que tu auras investi. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu ne changes pas les questions que tu te poses lorsque tu reçois de l'argent ou quand tu as de l'argent, tu auras beau augmenter ton chiffre d'affaires ou augmenter tes revenus ou gagner 2 000, 3 000 euros par mois, 4 000 euros par mois, comme tu veux. Tout ce qui va se passer, c'est que si tu te poses toujours cette question-là, dès que le salaire il arrive, comment je fais, qu'est-ce que je vais pouvoir acheter avec cet argent-là, t'es foutu, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'il y a des avocats qui sont en galère, des docteurs qui sont en galère, parce que ça ne change rien du tout. Tu vois, on croit souvent que c'est des gens qui sont plus intelligents. Non, ils ont de l'intelligence par rapport à leur expertise. Ils sont bons dans l'expertise, ça ne veut pas dire qu'ils sont intelligents financièrement. Parce que moi, je me rappelle le premier travail que j'ai fait. En fait, j'étais chez EDF, tu vois. J'étais chez EDF. Et dès que j'ai eu mon premier salaire, direct, je suis parti à la banque faire un crédit pour pouvoir m'acheter une voiture parce que ça faisait longtemps que je voulais une voiture. J'en avais marre de marcher à pied, de prendre le train. Et j'étais content de pouvoir acheter ma première voiture. J'avais mis des jantes et tout, vite teinté. Du gros son dedans en plus, il y avait du gros son dedans. Et ne fais pas ça. Donc, si tu vois cette vidéo, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ok, réfléchis vraiment à ça. Ça va venir après. Et c'est là où tout le monde, on perd tout le monde. C'est que personne ne veut attendre. Tu vois, personne ne veut attendre que d'investir et d'utiliser l'argent. Parce que du coup, quand tu vas investir, ça va te rapporter des revenus passifs. Et d'utiliser cet argent-là pour pouvoir le dépenser comme tu veux. Là, tu fais ce que tu veux. Là, tu peux le dépenser. De toute façon, ça va venir tous les mois. Puisque tes investissements, ils sont placés. L'argent tombe tous les mois. Ça, tu peux dépenser à gogo. Là, les gars, vous avez ma bénédiction. Allez-y, les gars. Foncez. Mais le problème, c'est que ça prend du temps, ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. T'as vu, j'aime parler d'argent, j'aime ça. Je veux démocratiser, en fait, l'argent. Parce que une fois que ça, c'est démocratisé, il n'y aura plus de problème. Tout ce qui est business en ligne, business physique, franchise, tout ce que tu veux, Amazon, dropshipping, consulting, tout ce que tu veux, c'est juste des chemins. Après, tu vas choisir. Mais déjà, si jamais tu as un problème avec l'argent, tu auras beau augmenter tes revenus en utilisant un business, parce qu'il n'y a aucun problème, tous les chemins fonctionnent, tout fonctionne. Il y a de l'argent partout. Mais si jamais tu n'as pas le mindset de l'argent, tu n'es pas intelligent financièrement, tu vas juste augmenter ton argent et tu vas repartir à zéro à chaque fois. J'en connais, hein. J'en connais, ils ont des business qui fonctionnent très bien, ils font des gros chiffres, mais 6 mois après, il n'y a plus rien. Donc, comme ils sont compétents, ils peuvent repartir encore et gagner encore de l'argent, mais s'il y a un souci un jour, ils sont en galère, alors qu'ils ont fait des grosses sommes. Donc voilà, bref, anyway, donc n'hésite pas à mettre un j'aime si jamais t'as aimé cette vidéo, un j'aime pas parce que t'es un rageux. Si t'as aimé cette vidéo, par contre, bon bah les gars, tout ce que je te demande, c'est de partager ma vidéo, d'accord, pour pouvoir permettre de faire connaître mon travail, quand même, ça fait plaisir quand même, ok, et puis pouvoir remonter un peu dans les référencements des vidéos, hein. L'objectif c'est quand même d'arriver aux 100K, les gars, on en est encore loin là. Donc voilà, ça c'est le petit message que je vais te dire. Maintenant, si jamais tu es intéressé pour pouvoir développer ton business en ligne et augmenter tes revenus, d'accord, être ton propre patron et être libre géographiquement comme je fais, moi je voyage maintenant, ça fait plus d'un an, tu es libre de cliquer sous le lien qui est dans les commentaires épinglés, tu verras la formation où je te montre exactement comment créer ton business en ligne en partant de zéro. Tu vois, moi j'avais un business sur le saxophone qui me générait 2000 euros par mois, et je te montre exactement les étapes pour que tu puisses faire exactement la même chose. Donc c'est une formation qui est offerte, mais il y a énormément de contenu. Ça veut dire que tu peux déjà créer ton business en ligne tout de suite là. Tu as juste à cliquer, tu commences, boum, tu peux te lancer. Donc les gars, les excuses, c'est pour les faibles, les gars. Maintenant, si tu es coach consultant et que tu as une expertise, tu as une masterclass, c'est cadeau, les gars. Tu as une masterclass pour pouvoir où je te montre exactement comment atteindre les 5 à 6 chiffres par mois rapidement. D'accord, je te montre exactement comment mes coachés ont fait pour pouvoir atteindre les 5 à 6 chiffres rapidement. Ok, donc n'hésite pas, vas-y tout de suite. Vous avez tout en description, les gars, ou sur le commentaire épinglé pour pouvoir passer à l'action et avoir des résultats. Donc, okay, pas d'excuses, les gars. Ok, donc les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous.